Isa en maternelle présente Un marchand d'histoire pas comme les autres de Tracy Corderoy. Il était une fois, dans une forêt sombre, un brave chevalier venu combattre un terrible dragon. Sors et viens te battre. Moi, Tancrède le Hardi, je te vaincrai d'un seul coup d'épée, dragon de pacotille. Braille-t-il. Tancrède pointe son épée en avant, mais aucun cri de dragon ne se fait entendre. Alors, il s'approche de l'entrée de la caverne. Soudain, le chevalier voit un mot. Un mot écrit par le dragon. Cher chevalier, je suis parti en vacances. Je reviens bientôt. Bise enflammée, le terrible dragon. Saperlotte ! S'exclame Tancrède. Comment ça, partir en vacances ? Et moi, comment je fais pour finir mon histoire ? Une histoire à finir ? Intervient une étrange femme. Suivez-moi. Et elle le guide dans la forêt. Le marchand d'histoire, dit Tancrède. Des pannes, vos histoires en objets, lieux, personnages et bien plus, à petit prix. C'est exactement ce dont j'ai besoin, dit Tancrède en entrant. Bonjour, j'ai besoin d'un dragon. Clame le chevalier. Le plus terrible que vous ayez. Sacrebleu, répond le marchand. Nous avons vendu notre dernier dragon hier. Mais si vous cherchez quelque chose de terrifiant, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Ta-da ! Quoi ? Un furet ? Dit Tancrède en s'étouffant. Il est mignon, mais pas terrifiant pour un sou. Que dira-t-on d'un chevalier qui combat un furet ? Dis donc, je peux être terrifiant si je veux, s'indigne le furet. Le marchand hoche la tête. Mais bien sûr que les chevaliers peuvent combattre des furets. Il suffit de trouver la bonne histoire. Et il se met à fouiller dans ses tiroirs, tous remplis d'histoires prêtes à être racontées. Ah ah ! Crie-t-il. Quelque chose comme... La chasse intergalactique. Vous parcourrez la galaxie pour combattre le... Attendez deux minutes... Le très méchant furet de l'espace. Non, non, ça ne va pas du tout. Intervient Tancrède. Les chevaliers ne volent pas dans des navettes spatiales. Ils montent de fiers destriers. Très bien, répond le marchand. Si ce sont des chevaux que vous voulez, que pensez-vous de... La poursuite du Far West, une aventure de cow-boy. Ici, vous traquerez le terrible Fufuloki d'un hors-la-loi qu'il faut à tout prix capturer. Vous chevaucherez à toute vitesse jusqu'à ce que vous... Il n'est pas difficile de comprendre que cette histoire ne plaît pas du tout à Tancrède. Laissez-moi vous proposer l'histoire du mois, reprit le marchand. Je vous la fais à moitié prix. Je suis sûre que vous allez aimer. La jungle maudite. Dans cette histoire, les éléphants, une bombe d'insecticide et une carte au trésor sont inclus. Oh oui ! Interrompt Tancrède ravi. Le chevalier adore les trésors. Quelle coïncidence ! Moi aussi ! Hurle le furet. Comme ça va être excitant ! Mais quelqu'un d'autre se glisse dans cette aventure. Un serpent ! Bien merci. Bafouille Tancrède. Même les plus braves des chevaliers ont parfois besoin... D'amis ? Des coupes furées. Oui. Répond le chevalier timidement. C'est bien cela. Il se repose un moment quand soudain... Fiente d'oiseau ? Peste Tancrède dégoûté. Je vous en prie, trouverez-moi une histoire plus propre. Avec de l'eau pour nettoyer tout ça, ajoute Furet. Laissez-moi voir, dit le marchand. Il ouvre une écoutille qui se trouvait là et les fait tous plonger dans... La terreur des océans. Pardi, cette histoire a tout ce qu'il faut,
s'exclame Tancred. De fiers destriers, une grotte mystérieuse et un formidable trésor. Il ne manque plus qu'une terrible créature à combattre et une vraie, n'est-il pas, Furet ? Furet ! Relâche immédiatement ce Furet ! Ordonne le chevalier. Le moment de la grande bataille est enfin arrivé ! À l'attaque ! Hurle Tancred. Il combat longtemps et hardiment. Jusqu'à ce que Furet soit libre. Tancred le Hardi n'a peur de rien, clame le chevalier. Hurrah, renchérit Furet. Mais la terrible créature, encore plus en colère, parvient à se libérer. Sa perlotte, dit Tancred. Il doit bien y avoir un moyen de l'arrêter. Furet regarde partout. Un bouchon. Il tire un grand coup sur la chaîne et tire encore jusqu'à ce que... Et la bête disparaît. Quelle incroyable aventure ! S'exclame Tancred. À partir de ce jour, Furet, tu seras mon fidèle compagnon. Vraiment ? Dit Furet ravi. Mais soudain, une voix les interrompt. Youhou ! C'est le dragon. Il est rentré plus tôt de ses vacances. La météo était vraiment affreuse, se plaint-il. Prêt pour une petite bataille, monsieur le chevalier ? Non, merci, répond Tancred. J'en ai fini avec les dragons. Nous avons tant d'histoires à vivre maintenant. Bientôt, vous découvrirez les célèbres aventures de Tancred le Hardi et Furet le Brave. Yeehaw ! Et dans un galop assourdissant, ils disparaissent vers le soleil couchant. Mon histoire est terminée.